Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du frère de Meghan Markle, Thomas Markle Jr. Je vous avais dit, il y a quelques mois de cela, un ou deux mois, qu'il devait participer à la version australienne de Big Brother. Il avait été embauché, en fait, pour raconter, soi-disant, la vie de Meghan Markle. Il est embauché que pour ça. Il n'a aucun talent particulier. Son secret, c'est d'être le demi-frère de Meghan Markle. Rappelons que c'est un demi-frère qui n'a pas grandi avec elle, car il avait déjà près de 17 ans quand elle est née. Quand elle a eu 5 ans, il est parti de la maison pour faire sa vie. Donc, il ne connaît pas grand-chose sur la vie de Meghan Markle, à part le fait que peut-être elle a été mariée une première fois, ou alors ils se sont vus une ou deux fois pour des réunions familiales. En tout cas, c'est ce que Meghan Markle a expliqué. Qu'elle ne connaissait pas grand-chose de ses frères parce qu'elle a été élevée comme un enfant unique vu la différence d'âge. Alors, je tenais à dire en fait qu'il a dit quelque chose sur Meghan et la seule chose qu'il ait dit jusque-là, parce que bien sûr c'est le premier épisode de cette émission, c'est qu'il ne pense pas que le mariage de Meghan Markle et du prince Harry va durer parce que son précédent mariage avait duré 2 ans. Alors, quand j'ai lu ça, ça m'a fait bien rigoler. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que ça fait déjà 4 ans que Meghan Markle est avec le prince Harry. Donc, sa théorie ne tient pas. Donc, on a dépassé largement les 2 ans. Et il faut aussi rappeler, en fait, que si Meghan Markle est restée 2 ans avec son premier mari, elle a quand même eu, bien avant son mariage, 7 ans de liaison avec lui. C'est-à-dire qu'elle était fiancée, ça a été sa compagne pendant 7 années. Ils sont restés 7 longues années. Si on tient compte de ces années-là, ça veut dire qu'ils sont restés 9 ans ensemble, à moins que je me trompe dans le calcul de la durée de leur relation. Donc, c'est un monsieur qui raconte du n'importe quoi et il fait tout ça pour se faire un peu de thune sur le dos de Meghan, comme par exemple le fond où l'ont fait leur père, Thomas Markle, ou alors leur sœur, Samantha Markle, qui a d'ailleurs carrément écrit un livre sur Meghan alors qu'elle n'a presque jamais vécu avec elle. Donc, voilà, c'est pour vous donner les dernières nouvelles. Vous allez sûrement voir cette nouvelle dans les journaux et au lieu de vous énerver, laissez tomber, passer quoi, parce que ce monsieur, c'est une sangsue qui vit en pompant le sang des autres et dans ce cas-ci, Meghan. Certains pensent que Meghan doit être énervée de le voir comme ça raconter sa vie, pourtant je ne pense pas que ce soit le cas. Je crois qu'elle a jeté l'éponge en ce qui concerne sa famille et qui pourrait l'en blâmer. Il est tout à fait normal d'ailleurs qu'elle n'ait jamais voulu rien avoir à faire avec eux parce qu'elle savait qu'il ne pourrait que l'attirer vers le bas. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est cas à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.